Voilà, ça c'est déjà beaucoup mieux. On va reprendre le charme d'os. Et on va regarder s'il est plus intéressant que les autres. Alors. Non, fossoyeur est très bien. Nourriture liquide, c'est quoi? Boire de l'eau d'une fontaine restaure la santé. Quand vous mangez des rats blancs, non. On va plutôt prendre la nourriture liquide, c'est bien. C'est pas mal ça. Qu'est-ce qu'on a là-haut? Ça déjà, ça sera moins dangereux pour moi. J'en ai un là-haut. J'en ai un 44 mètres de là-bas. De toute façon, je vais essayer de les prendre, hein, tous les charmes d'os et tout, ça me donne des pouvoirs qui pourront m'être utiles pour la suite. Et ça sera très bien. Alors, est-ce que j'en ai par là? On peut pas se prendre cette toile parce qu'elle est plutôt jolie. Ah, code du coffre, 818. Donc il y a un coffre dans le coin. C'est bon à savoir déjà. Donc 818. Je me balade ici comme si de rien n'était, mais... Ah bah c'est celui-là. Donc j'ai dit 8. 1, 8. Formule du carreau anesthésiant de combat. Bien! Des lingots d'argent. Un pantin du tueur de la couronne. Ah oui, d'accord. J'avais pas vu son cadavre. Il a bien fait de venir ici, quoi. Ok, donc ce côté-là a été exploré. Ou peut être considéré comme tel. Bien. On va passer par la porte, hein. On est l'impératrice après tout. Même si certains ont essayé d'usurper notre titre. Je peux carrément aller là-haut, c'est fun. On va aller là-bas. Accroupi. On va essayer d'aller de ce côté-là. J'ai vu qu'il y avait un charme d'os, ça pourrait m'intéresser. Ok, donc ils sont en train de bouffer, donc nous on va pas aller là tout de suite. On va essayer de passer tranquillement. Ça d'accord. Ça c'était pas discret, mais c'est pas grave. Chercher partout, j'ai autre chose à faire. Qu'est-ce que c'était?
Apparemment. Ah ouais, d'accord, il y avait des mouches de sang là-bas dedans. Deux escouades affectées à Adermir pour surveiller une femme. À quoi ça rime? Les hommes se posent des questions. Ah oui, vraiment. Oui. Martel se demande pourquoi nous ne sommes pas en train d'éclater des hurleurs. Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour une escouade qui ne pose jamais de questions? C'est quand même bizarre. Il n'y a plus de passe. À mon avis, je vais au-devant de quelques soucis là, hein, mais y a quoi là-dedans? Les os un peu de partout là, il y a des choses intéressantes de partout mais je peux pas les avoir. Donc c'est là que les gardes en fait. Oh purée merde. C'est pas ce que je voulais faire. Je peux en charger. Je suis désolé, hein, je recharge beaucoup, mais en même temps, je vais essayer de faire cette mission en étant un minimum silencieux et cacher les cadavres, etc. J'ai pas l'air de faire des choses trop mauvaise, mais c'est juste que ouais, il manque de pratique et ça c'est certain, ça joue beaucoup. Eric, comment ça? L'air de rien, c'est pas moi. Ah oui, bah ça ouais, c'est faut arriver à être discret et pas si évident que ça. Un hôtel de l'outsider. Alors généralement ça nous donne plus de pouvoir, je crois. Tu as pris un autre chemin.
Mais tu n'oublieras pas la vérité, toi. Ta vérité, du moins. Je l'aime bien, moi, l'outsider. Je l'aime beaucoup. Je le trouve assez... suffisamment étrange, en fait, pour avoir envie de savoir ce qu'il est, ce qu'il représente, etc. C'est toujours assez... assez intéressant à voir. Il faut savoir que, ouais, alors je l'ai déjà dit, hein, mais les rats, en fait, hein, sont une. Sont des sortes de. Des, un peu les yeux de l'outsider. Hein. Donc, faut pas s'étonner qu'on le voit assez souvent. Allez, là-haut, si, s'il vous plaît. Je ne peux pas. Bah ça c'est là pas mal. Alors je peux obtenir des pouvoirs. Ça c'est pas mal, c'est quoi? Sa vision des ténèbres. Ça permet de voir où voient les ennemis. Ce qui serait bien. Tueur de l'ombre, non. Créateur de charme d'os. Créez vos propres charmes d'os uniques avec un risque de corruption. Là tout de suite, maintenant non. Ça permet d'envoûter les humains et les molosses. Oh, ça se répétait ça. Vous voyez dans le noir et à travers les murs. Ah oui, ça je prends. Pourquoi on me l'a pas donné avant? Pourquoi on me l'a pas donné avant? J'ai échappé aux deux autres nigos là en dessous. Et ça c'est un peu... un risque de mort pour moi. Et donc... Alors, tu m'excuses. Et non, c'était pas un mauvais choix. Par contre, on va être caché un peu mieux. C'est pas mal. Voilà. On va faire pareil avec ton collègue. Alors, je n'ai tué personne pour l'instant, ce qui est plutôt pas mal. Il y a une carte. Merde. Oh putain, quel con. Ah, ça, c'était magnifique, ça.
D'accord, mais dans l'amphithéâtre du service de convalescence qui est verrouillé, personne ne doit la déranger. En cas d'urgence, je laisse la clé dans son bureau. Autre chose, Hamilton, le concierge doit rester dans la salle des malades jusqu'à ce que je l'interroge et que je décide de son sort. Nous l'avons enfermé dans la petite serre, il est interdit de lui parler ou d'entrer dans cette pièce. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ok. Ah, j'avais pas vu, j'ai lu un bouquin, je sais même pas ce que j'ai lu. Nouvel indice dans le journal, qu'est-ce que... Ça, je sais, objet de mission, j'ai la clé d'Hypatia. La chevalière impériale, ouais. Trouver le service de convalescence, ça c'est bon. Fouiller le bureau du docteur Hypatia. Oui, mais ça, je suis après. Charme d'os ici. Ah, il y en a un au-dessus que je n'ai pas trouvé. Alors, j'ai une petite idée de ce qu'elle devient, le docteur, mais... D'accord, il y a des problèmes dans le truc. D'accord. Vous voyez, comme vous êtes précieuse à moi et à Cerkonos. J'ai bien l'impression qu'elle a eu un petit souci. Alors attendez, excusez-moi. Alors on va faire la pause maintenant. Et je reviens juste après un petit quart d'heure de pause, histoire de me changer les idées. À tout de suite. Voilà, c'est bon. Alors on va pouvoir reprendre. Donc je disais que j'avais une petite idée de ce qu'était devenu l'infirmière, enfin le médecin. Ça reste à prouver maintenant. J'ai vu qu'il y avait quelque chose au-dessus, ce qui m'interpelle un petit peu. Ça veut dire que je devrais pouvoir descendre. On va passer à l'étage. On va rester quand même un peu silencieux, ça serait bien. Il y a un charme juste au-dessus. Tout en haut, mais je l'ai carrément loupé. Comment j'ai pu le louper celui-là? D'accord, il y avait des pièges. Fait d'Hamilton nécessaire. D'accord. Ok. Bon, alors il faut que je remonte à l'étage parce qu'apparemment, à l'étage, il y avait quelque chose que je n'ai pas su vérifier. J'ai fait exprès ou je suis mauvais de nature en fait? Ah zut! Voilà. Et donc apparemment il y a... Ah mais il est encore au-dessus. Est-ce que je peux aller au-dessus moi?
C'est bon, ok. Avec les oiseaux. Donc j'ai un nouveau charme d'os. Vos mouvements sont un peu plus rapides en mode furtif. Non, ça c'est très bien. Et j'ai de la vigueur. Réserve de santé augmente. Ça aurait été pas mal. Ah, faut améliorer, d'accord. Faut améliorer les trucs dans les boutiques, ça c'est pas mal. Et donc elle était dans la serre, la petite dame. Sauf que j'ai quoi comme mission encore? Fouiller le bureau du docteur Hypatia. J'ai fait ça déjà. Oh, je me suis fait mal. Un peu de vie, j'ai pas fouillé. Fouiller pourtant son bureau à la petite dame. Alors, qu'est-ce que... D'accord, donc on pourrait avoir... Pas ça. Donc quoi, connaissance, d'accord. Donc j'aurai... Le lieutenant Valiente, d'accord. Hamilton également. J'ai deux personnes à vérifier. Semble-t-il. Et donc... ça a été fait, hein, normalement. Enquêter sur le tueur de la couronne, ça c'est bon. Oui, mais je sais qu'il y a des... Il y en a de partout, des machins. Il est 14 mètres. 14 mètres et j'ai rien vu. Ah mais ouais, mais il est dans la salle en dessous. Un qui a 19 mètres. C'est tout en dessous, ça. Je me trompe pas, c'est tout en dessous. Ça, ça on s'en moque. Ok, ouais, donc c'est ça. Hein. C'est tout là-dedans, mais sauf que là-dedans, je sais pas y aller. Pour l'instant. J'ai un coin pour le cacher, celui-là. Il avait une... Alors... Tiens, va rejoindre ton collègue. Très bien. Donc déjà là, on a fait pas mal, on a réussi à avancer. Ce serait la serre, ça.